when I should've known that the future's strong. Send a text my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home, get a new. Yo, salut les gars, c'est Globox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau massacre sur Call of Duty Black Ops 3. Voilà, il y a deux semaines de cela, je vous ai posté une petite vidéo, une petite nucléaire sur ce jeu. Ça vous a énormément plu. Du coup cette fois-ci, je vous fais encore une fois plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs vous avez été nombreux à avoir liké la vidéo sur Black Ops 3, je tenais à vous remercier. C'est l'une des vidéos qui a été le plus likée depuis que j'ai repris YouTube, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un 54 kills à une mort. Donc ça s'appelle un 54 de ratio en match à mort par équipe et encore une fois en solo. Donc le gameplay que vous visionnez, j'ai eu quand même beaucoup de chance car maintenant que je l'ai visionné, je trouve que j'ai eu un shoot vraiment, vraiment nul tout simplement. Et je trouve que mes déplacements n'étaient pas du tout intelligents tout simplement. Donc voilà, c'est quand même un gameplay qui est quand même sorti. Bon, les mecs en face c'était pas des lumières, Black Ops 3, voilà, c'est pas non plus extraordinaire comme gameplay, mais j'espère quand même qu'il vous plaira. Je vais pas m'éterniser là dessus sauf que voilà, je vais réaliser une petite nucléaire, voilà. Donc on va plus parler du gameplay. Je voulais vous parler un peu de mon inactivité sur YouTube. Vous avez pu remarquer, je suis fort inactif ces derniers temps. C'est pas parce que je suis démotivé ou quoi que ce soit, loin de là, je suis maître prestige sur World War 2. Franchement j'apprécie beaucoup le jeu, mais je pense que je vais faire une petite pause de ce Call of Duty. Je vais retourner sur Black Ops 3. Je vais essayer de me reprendre une PlayStation 3 et reprendre BO2 et MW3 pour ne pas faire une overdose de ce World War 2, parce que je le trouve assez sympa. Même si c'est vrai ces derniers temps, j'ai quand même pas mal ragé. En plus de ça, ils vont patcher le sniper. Je sais pas si vous avez vu, ils vont mettre le scope plus lent pour le KR98. Je sais pas pourquoi ils font des patchs pour ça. Honnêtement, il y a qu'un sniper qui est plus ou moins correct. Quoi, il est correct le KR98. Le M19 est quand même pas mal aussi. Mais il y a plus ou moins, on va dire, un sniper qui est vraiment bon. Il n'y en a qu'un, ils arrivent à le patcher. Alors certains diront, oui, le sniper c'est abusé, mais putain les gars, la PPSH elle est abusée, la barre elle est abusée, la STG elle est abusée, toutes ces armes là sont abusées, les snipers ils ont un snipe et on les patch. Ça c'est vraiment dégueulasse, hein. Bref, voilà, je défends un peu la communauté sniper parce que vous savez que j'adore jouer au snipe. Je vais quand même essayer hein, quand il y aura le patch, mais si je vois que ça marche plus comme avant, ben... je laisserai tomber le sniper. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils fassent des patchs pour ça alors qu'il y a quand même beaucoup de choses d'autres à patcher et à améliorer sur le jeu. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, j'ai été fort inactif comme je vous l'ai dit. C'est pas parce que je suis démotivé, c'est tout simplement parce que en fait j'ai un problème d'ordinateur et un problème avec mon Elgato. Donc le Elgato il est mort, il sature, tous mes gameplays sont pratiquement fichu. Heureusement qu'il y a le bouton share de la PS4, sinon j'aurais plein de gameplays qui sont juste amazing. Des gameplays double nucléaire en solo au sniper, donc une double Rocket V2 en solo sniper. J'ai une double à la STG en solo, plein de Rocket V2 qui sont assez jolis à regarder. Donc tout ça c'est enregistré avec le bouton share. Donc quand j'aurai un nouveau PC, je vous proposerai ça, ou alors je vais essayer de m'arranger avec l'ordinateur de ma compagne pour vous faire les montages. Donc je dois acheter une clé USB pour transférer les gameplays qui sont sur ma PS4 via ma clé USB. Donc voilà, j'essaierai de m'arranger. Un Elgato, ben, j'en ai reçu un nouveau gratuitement de la part de Benny. Donc Benny, si tu vois cette vidéo, je te fais un énorme bisou, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir, surtout que j'ai pas les moyens. Du coup un Elgato, comme vous le savez, c'est assez cher, c'est 150-180 €. Un Elgato c'est quoi? C'est un boîtier d'acquisition qui sert à enregistrer les gameplays tout simplement. Donc voilà les gars, c'était juste une petite vidéo pour vous préciser que je ne suis pas démotivé, bien au contraire, je suis toujours actif sur Call of. Si vous êtes toujours sur Twitter, ben, n'hésitez pas à me suivre. Je parlerai très prochainement des prochains Call of auxquels je vais jouer, certainement à IW parce que je n'y ai pas beaucoup joué et c'est un Call of que j'apprécie quand même beaucoup. Donc voilà, si vous jouez à ce jeu, ben, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à le dire dans les commentaires, je vous rajouterai, ou ce sera à vous de me rajouter, tout dépend de ce que je vais dire sur Twitter. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais bientôt faire le kill de la nucléaire, il m'en manque un je pense. Donc ouais, le dernier kill, bah, c'est juste là, ah, bah, le dernier kill c'est en, voilà, c'est celui-là, c'est le kill de fin. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Globox, bye bye tout le monde.